quand je bois de l'alcool, c'est vrai que je peux faire n'importe quoi, j'avoue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maeva Ghennam qui réagit enfin après la grosse polémique la concernant ainsi que le rappeur Booba et Lil Blatta. Vous l'ignorez peut-être, mais il y a quelques jours, Booba avait balancé un énorme scoop sur Mark Blatta qui critiquait son amie Maeva et sa relation avec son meilleur ami Akram. De là, une vague de réactions et critiques ont alimenté les réseaux de Mark Blatta qui s'est forcé à répondre et à balancer très fort sur le rappeur. En effet, selon le blogueur, Booba aurait proposé à Maeva Ghennam de lui payer 50 000 euros pour faire polémique en créant un power couple, mais cette dernière a refusé. D'ailleurs, si vous avez raté les vidéos en question, je vous invite à cliquez sur le petit i en haut à droite. Et de là, un véritable clash est né entre Marc et Booba. Marvin Tillière s'en est même mêlé. Et tout à l'heure, Booba a de nouveau pimenté la sphère sociale en balançant à nouveau un audio suivi d'une vidéo de Maeva Ghennam un peu bourré. Pour le bien-être de nos abonnés et la vie intime de la candidate, nous avons fait le choix de ne pas publier la vidéo. Et voyant cet énorme scandale sans fin, Maeva a réagi et met enfin les choses au clair. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ouais, mortel frérot, mortel. Bien vu. On n'a pas pu dire au revoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je fais comment avec le colis? Je te ramène ou pas le colis? Ou c'est comment, balourd? Elle veut que je la dépose, mon ref. Oui, mon frère. Tout à l'heure, je suis posée, je regarde les réseaux sociaux. Et je vous jure, c'est un truc de fou. Partout, on invente des vies. Mais partout. C'est incroyable, quand même. Alors qu'en ce moment, je vous jure, je suis tranquille. Je fais ma vie, je suis tranquille. Je fais tout pour pas faire de bad buzz. Je fais vraiment attention à tout ce que je fais. Encore, je vais vous dire la vérité. Quand je bois de l'alcool, c'est vrai que je peux faire n'importe quoi. J'avoue. À m'inventer des vies. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et même vous, vous me le dites. Maeva, t'es trop tranquille en ce moment. Parce que je suis tranquille. Et j'essaye de faire attention. Je regarde mes identifications sur Instagram. Et il y a plein de blogueurs et tout qui parlent de moi tous les jours. Et puis on m'envoie, vous m'envoyez. Enfin, ma communauté, elle m'envoie. Mais toutes les 5 minutes, là, j'ai regardé... trois réseaux différents, trois réseaux, il y avait des rumeurs fake, enfin trois personnes différentes, trois personnes à sortir des rumeurs fake. Et là, il y a Magali qui m'appelle en me disant, ouais, Askip, tu vas quitter mon agence. Ils étaient en train de faire sortir un scoop. Alors que pff, je leur donne même pas l'heure, même pas si je réponds, genre. C'est incroyable quand même. Hein. Mais je vous jure, c'est un acharnement que je suis en train de vivre, mais vraiment. Et encore, heureusement que je suis quelqu'un de forte. Alors qu'en ce moment, vous le savez, j'ai passé une période très difficile. Je me retrouve toute seule chez moi, dans ma maison. Ça a été très compliqué pour moi. Et même parfois, enfin, je vous montre pas trop. Mais voilà, c'est un truc de ouf. Je vous jure, j'en peux plus.